Ouah les gars, ça fait un bail, hein. Là on est sur GTA 5, pour ceux qui auraient reconnu, c'est LSPDFR. On est sur le modèle LSPDFR. C'est quoi le modèle LSPDFR? Tout simplement, on incarne un flic, mais vous allez voir que c'est vraiment vraiment poussé le truc quoi. C'est un peu du RP en solo, RP policier en solo, mais vous allez voir que qu'on s'ennuie pas quoi. Donc je sais pas si je vais en faire plusieurs vidéos comme ça, enfin bref, tu vois, j'ai installé le mode, je trouvais ça sympa. Je me suis dit on va faire une vidéo. Donc là, j'incarne un shérif. On peut incarner un flic du LSPD aussi, mais bon, je préfère les shérifs. Toi-même, tu sais. Le skin, je peux vraiment le perso à fond. Accessoires, je peux mettre d'autres chapeaux et tout. Mais je garde celui-là, il est cool. Attends, c'était lequel? C'était celui-là, ouais. Ça, ouais, donc je peux personnaliser vraiment beaucoup de trucs. Et puis voilà. Donc. J'ai pris la petite Crown Victoria. Basique, on va dire. Mais bon, toujours efficace. Et puis là, tout simplement, on va patrouiller sur le secteur de. On est où là? C'est quelle ville? Quelle est cette ville? Sandy Shores. On va patrouiller là. En attente d'appel. Et vous allez voir que c'est vraiment poussé parce que. Enfin, j'ai mis plusieurs plugins parce que de base, il n'y a que le mode LSPDFR. Mais tout seul, il n'est pas amusant. Faut mettre des plugins. Donc, on a. Un appel, une personne qui sera en feu. Ok, mais on va accepter. C'est parti, il faut y aller en code 3, c'est-à-dire, il faut mettre les gyros et la sirène. Donc c'est parti. J'ai aussi installé un. Putain, on va faire gaffe à la conduite, par contre. J'ai installé un plugin pour accepter, enfin pour parler en vocal. Alors que c'est en solo, je rappelle. Pour accepter les appels, pour demander des renforts et tout. Mais il faut que j'y pense parce que j'ai l'habitude de pas l'utiliser. On va s'y faire. Donc là, il y aurait apparemment une personne en feu. Elle est vraiment en feu? Je dois faire quoi en fait? Je dois faire quoi? Je dois la. Attends, j'ai pas de. Non, j'ai rien. Mais tu veux que je fasse quoi en fait? Je peux juste appeler. Backup. On va demander une unité médicale, mais. Je pourrais faire quoi? J'ai pas d'eau, j'ai rien. Bon, en fait, laissez tomber, même le médecin il s'est mis en feu. Cette intervention c'était n'importe quoi. Bon, là on va attendre tranquillement un prochain appel. On patrouille pour voir s'il y a pas des trucs suspects tout simplement. Pour l'instant ça a l'air calme, hein. Calme de ouf. Shoplifting, alors je sais pas ce que c'est. Ici Dunford, je suis en route vers l'appel. Dunford, en route. Voilà, ça marche. Faut juste répéter. Allez, c'est parti. Donc là, on a un truc dans un supermarché, enfin dans un market. Mais je sais pas ce que c'est, super lifting. C'est peut-être. Alors, je sais qu'il y a une unité sur place déjà. C'est juste quelqu'un qui s'enfuit en fait. Il a pas payé ses articles, je crois. Et la sécurité, elle pourchasse. Le mec que vous voyez là, c'est la sécurité. Donc bon, pas besoin de renfort. On va juste l'intercepter tout simplement. Bah, elle a été appréhendée par la sécurité. Donc c'est bon, tranquille. Est-ce qu'ils ont besoin que je l'arrête? Non, c'est lui, c'est bon, il arrête lui-même. Bah tranquille, hein. Elle a fait quoi? Elle a pas payé un truc. Elle a fait un truc comme ça, non? Enfin bref. Donc là, je dois aller parler shopkeeper pour avoir un témoignage ou un. Ouais. On va y aller. On va couper le gyro. Regardez, par contre, la lumière comment elle va super loin. C'est trop stylé ça. La lumière du ELS. Je trouve ça trop stylé. Donc, on va aller parler au commerçant. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va me dire. Mais bon, faut que j'y aille. Sans armes, tranquille. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire? Y. Merci d'être venu. Ok, elle est partie. En fait, la personne que la sécurité a appréhendée, elle est partie. Elle a volé quelques objets du marché. Pour un total de 344 $. Ok. Elle a aussi frappé la sécurité carrément. Mais dis donc, elle est déter. Hein. Ok, ça roule. Bah écoute, je peux. Bah c'était juste pour savoir ça, mais je m'en fous un peu en fait. Donc c'est parti. Retour en patrouille. Par contre, on est d'accord qu'il fait beaucoup trop sombre. J'aime bien jouer la nuit, mais pour la vidéo, ça va être chaud de ouf parce qu'on va rien voir sur la vidéo. Donc je préfère mettre le jour. Voilà.
Tac, voilà. Dunford, en route vers l'appel. Parfait, ça marche. Donc, là, ce qu'on peut faire, on a un appel Unknown Trouble. Ça veut dire qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Donc là, j'ai activé l'ordinateur de bord et je vais essayer d'avoir plus d'informations sur l'appel. Donc, on va sur Call Details. Alors, quelqu'un qui a appelé car elle a besoin d'aide, mais la ligne a été déconnectée. Donc, ouais, ça a coupé quoi. On n'a pas plus d'informations, donc on va aller sur l'appel. On va y aller en code 2, si je dis pas de bêtises. Donc, juste comme ça. Code 2, c'est quoi? C'est sans sirène. Mais je m'y connais pas trop, mais bon. On va faire genre on s'y connaît, tu vois. Donc, c'est parti. C'est vers là. Ouh, putain. Petit renard ou je sais pas quoi, là. On n'a pas plus d'informations sur l'appel. Alors, il y a quoi ici? Il y a un mec tout seul. Ouais, c'est un gros port. Non, je vais aller lui parler. On dégaine le taser, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Merci d'être ici. Alors, le wifi de mon téléphone a arrêté de marcher. Est-ce que vous pouvez le... Putain, mais... Il me demande... En fait, il appelle les flics pour que je lui répare son wifi. C'est le problème de wifi qu'il a sur son téléphone. Quel genre de bail, ça, putain. Là, gros, c'est qu'à le dire en plus, je suis désolé, mais... T'as appelé pour rien. Donc, je vais mettre une amende. Là, tu fais chier. On va mettre... Une amende de 20 balles, allez, c'est parti. Ah, parce qu'il fait chier à appeler pour un gros porc là. Putain, le jeu il est taille de stylé quand même. Trop trop bien. J'espère tomber sur des appels un peu plus sérieux parce que là je vous avoue que pour l'instant on n'a pas eu grand chose. Mais ça devrait le faire. Bonne journée. Ok, bon pour l'instant c'est assez calme, hein. Il n'y a pas de truc à signaler. En même temps en campagne vous allez me dire va pas y avoir des trucs de ouf. Mais des fois on tombe sur des interventions qui sont plutôt pas mal. Je propose qu'on fasse un contrôle de routine sur la prochaine voiture qu'on voit. Et comme ça je vais montrer un peu comment ça se passe. Vous allez voir que c'est bien fait de ouf. Puis tu vois la ville elle est vivante, même si elle est petite elle est vivante un peu. Tu vois il y a des gens, y a des piétons, il n'y a pas que des voitures quoi. C'est bien cool. Regarde là-bas, les gens ils mangent et tout. Alors, on va essayer d'intercepter une voiture au hasard, celle-là qui passe là par exemple. On va faire un petit contrôle. Contrôle de routine. Ah bah non. Il n'y a pas une autre qui passe. Ah, vu que c'est la campagne, il n'y a pas tant de voitures que ça qui roulent, mais bon. Ah. Une voiture blanche là-bas, ça veut dire qu'elle est suspecte d'après mon radar. Bah vous savez quoi, on va faire un contrôle de routine sur lui. Simplement. Et puis, s'il a quelque chose à se reprocher, on va bien voir. C'est parti. Allez. Ah, bah il part en refus d'obtempérer. C'est parti. Refus d'obtempérer, demande de renfort. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Entre les motos c'est vraiment chaud à intercepter donc faut vraiment rester, rester derrière quoi. Pourquoi il descend hein? Non pardon. C'est parti donc premier refus d'obtempérer. Mec en Sanchez. Pour l'instant je l'ai en visuel donc c'est moins tranquille. Et par contre les poursuites à moto comme ça je sais pas comment ça finit en fait. Parce que les voitures à la rigueur on peut pit, on peut demander un pit ouais. Mais les motos comme ça c'est chaud, on est obligé de le faire tomber le mec non? Sa moto elle était marquée en blanc sur la map, ça veut dire que les véhicules qui sont marqués en blanc sur la minimap c'est les véhicules suspects on va dire. Qui ont un comportement suspect et donc bah vaut mieux aller les contrôler. Et bah là en l'occurrence bah ouais, c'est parti en refus d'obtempérer. Bah j'ai pas de renfort, je vais en rappeler. Besoin de renfort, course poursuite en cours. Il y avait un mec là-bas. Oula, par contre, il a une conduite plus que dangereuse là. Vous allez me dire que c'est lui qui se met en danger parce qu'il est en moto. C'est chaud hein. Je sais pas comment on fait pour demander un barrage.
Mais je sais qu'il y avait ça, mais je sais plus comment on fait. On se part, on va l'intercepter nous-mêmes. Vous savez quoi? On va faire un truc. On va demander à faire un pit, même si on est en moto, on bat les couilles. C'est bon. Je veux bien jouer RP, tu vois, mais là. Alors, request pit. On a demandé au central de faire un pit. Ok, ils nous l'ont accordé, donc. On va pas se gêner. Là, ça va être un pit meurtrier, si vous voulez savoir. Hein. C'est parti. Merde. Putain, je me suis pit moi-même. Par contre, il part vers LS, là, on est d'accord. On va demander renfort du LSPD. Hein. Course poursuite en cours, besoin de renfort. Putain, il y a une vache sur la route. Course poursuite en cours, besoin de renfort. Voilà, faut parler clairement. Tu vois. Ah, ils l'ont intercepté, je crois, non? Parfait. Merde. Putain. Parfait, ils l'ont intercepté. Oh, par contre, il y a des animaux et tout qui passent sur la route. Bon, ça, faut pas. C'est la campagne, écoutez. Hein. Les aléas de la campagne. Bon, bah, les collègues vont s'en occuper. Parfait. Belle intervention. Avec mon pit raté. Ils s'en chargent, les collègues, ou je dois le prendre moi-même? Non, je dois le prendre, je crois. En attendant d'appeler un truc, on va mettre. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire. Déjà, on va foutre ça là. Voilà. Deuxièmement, on va couper cette putain de sirène qui me nique les oreilles. Voilà. Troisièmement. Ah, mais en fait, les collègues, ils avaient appelé. Ouais, ils avaient appelé une unité pour le transporter. Donc, pas la peine que je le prenne moi-même. Bon, on peut enlever la barrière, je pense. Comment on fait? F6. Il y a tellement de. J'ai tellement de plugins que les touches. Voilà quoi. Donc. Là. On va mettre ma voiture sur le bas côté. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est bien stylé. Je vais demander une. Bah, déjà, on va demander. Au central de vérifier la plaque du véhicule. Donc, comme ça. Attends, je vais voir si on peut le faire directement au vocal. Dunford à centrale, vérification de la plaque s'il vous plaît. Ouah, taille de stylet. Donc là ils vont me dire les informations qu'ils ont sur la plaque de la Sanchez, tout simplement, si elle est volée. Elle appartient à John Young. Alors Felony Warrant for Register Owner. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un truc mauvais parce que c'est écrit en rouge, donc bah, on a bien fait de l'arrêter. Et puis dans le RP on va dire que j'ai communiqué cette information au central, enfin bref. Donc voilà, maintenant, on va appeler une dépanneuse. Dunford à centrale, besoin d'une dépanneuse. Parfait. Bon, bah, on a fini cette intervention. Ce que je propose, attends, on est où là? Oh, on est vers LS, donc on va repartir en campagne quand même. Et puis voilà, on va essayer d'avoir d'autres interventions. Tracking mode poursuite. Alors, je sais pas ce que c'est. Dunford en route vers l'appel. Ah bah il est juste devant moi. Alors je dois pas engager la poursuite maintenant. Il y a un hélicoptère au dessus. Alors attends. Ok. Bah si, je dois engager la poursuite. Ils m'ont dit d'être en code 2, mais je devrais plutôt engager en code 3, je pense. C'est parti. Et je dois pas appeler de renfort, ils m'ont dit. Bon là c'est déjà mieux parce que c'est une voiture. Donc si on doit faire un pit ça va être mieux. Donc ouais, modèle Blista, ok. Putain, cette conduite qu'il a. On va demander au central de vérifier la plaque. Donc on va s'approcher un peu. Ok, donc appréhender le suspect. Dunford à centrale, vérifier la plaque. Vérification de la plaque d'immatriculation. Vérifier la plaque. Ok, bon, on va arrêter avec le vocal. Je pense qu'on va faire au clavier, ce sera mieux. Bon, il part en courant. Ok. S'il veut. Mais bon, il y a un hélicoptère en fait. Il n'y a pas besoin, les gars.
Allez. À terre, mon petit pote. Ok, résiste, enculé. On va prendre le taser. Wesh, il tombe tout seul. À terre, bro. Wouah. Sous le sol. C'est parti, on lui met des menottes. Par contre, on lui reproche quoi, lui, exactement? Bah, on va appeler une unité de transport. Parce que j'ai la flemme de le transporter moi-même. Et puis comme ça, ils vont s'en occuper, tu vois. Ils vont mettre en prison et tout. Enfin, ils vont l'amener au communico, etc. Et puis, voilà. Tout simplement. Ma voiture, là-bas, on va aller la réparer. Bon, bah, alors là, on va retourner en campagne parce que j'aime pas être près de la ville comme ça. Je préfère être dans mon élément, tu vois. Pleine campagne. Je vous ai toujours pas montré comment on fait les contrôles de routine. On va le faire sur... Wow. Il n'y a que des fous en campagne, truc de ouf. Hein. Donc là, vu que j'ai la plaque juste devant, je peux regarder moi-même sur l'ordinateur au lieu de demander au central. Donc véhicule. Tac. Ah, alerte. Ah, il est recherché, comme par hasard. Le gars est recherché. Ok. Ok, ok. Il est recherché. On va voir le mec en lui-même, le propriétaire. En supposant que c'est lui qui est dans la voiture. Ok, donc ouais, il est recherché aussi. Sa voiture est recherchée. Lui, il est recherché. Donc on va appeler du renfort. Tout simplement. En code 2. Pour intercepter le suspect. Parce que vu qu'il est recherché, il risque de... Je pense qu'il risque de partir. Comme ça, on sera plusieurs à être sur le coup. Au cas où il part, tu vois. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Vu qu'il est recherché, on prend le gun, on prend nos précautions. Moi, je pense qu'il va partir. Hein. C'est obligé. Voilà, je savais. C'est parti. On engage la poursuite. On engage la poursuite. Avec un Bobcat noir, du coup. Bon, écoutez, ça fera plusieurs courses-poursuites. D'habitude, c'est pas si fréquent que ça, les courses-poursuites. Mais là, bon, vous êtes gâtés, hein. Première vidéo, LSPDFR, deux courses-poursuites. C'est quoi, on va pas perdre de temps. On va demander un pit au central, autorisation de pit. Des fois, ils refusent, hein. Oups, le pot. Ok, on peut pit. Donc, on va attendre qu'il n'y ait pas beaucoup de voitures. Wow, 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 wow. Il suit le shérif derrière, ouais, il suit. C'est parti, on va engager le pit. Ah non, il va trop vite. Ok. Oh! Coup de feu, coup de feu. Oh putain, ils ont répondu direct. Ah, bien vu le shérif là-bas. Bon les gars, on va être clair, je vais arrêter de pit parce que je sais pas faire. On va essayer de finir la poursuite d'une autre manière, mais pas de pit. Oh putain, il va beaucoup trop vite par contre. Ouais, parce que les pits c'est pas fait pour moi, je sais pas pit. Hein. Clairement. En plus je le fais, il y a 500 mecs sur la route. Je sais pas faire, donc on va juste le poursuivre normalement. Besoin de renfort, poursuite en cours. Voilà, ils vont faire un barrage, j'espère. Et... Pas sur moi, putain. Oh, ils sont cons. Ils sont cons, mes collègues. Comme moi. Putain. Oh, il s'est arrêté. Bon, je l'ai pite, j'ai tué un mec, mais... j'ai tué un mec innocent, tu vois, mais c'est pas grave. Je l'ai pite, au moins. Allez, arrête-toi. Arrête-toi, putain. Parfait. Bon, vu que c'est le dernier suspect pour cette vidéo, on va faire un truc, c'est qu'on va l'emmener nous-mêmes en prison. Enfin, en comico. On va le fouiller tranquillement. On n'a rien trouvé de spécial sur lui. On va aller le mettre dans la voiture. Monte derrière. Voilà. Et on enlève cette putain de sirène. Ok. Bon. Putain, belle caisse celle-là.
On est parti vers la prison la plus proche. On va le mettre en prison. Je vais vous montrer comment c'est. Et puis, on va arrêter la vidéo parce que je pense que ça fait déjà pas mal de temps. N'empêche que c'est vraiment stylé, hein, de pouvoir patrouiller comme ça en campagne, etc. Après, je sais pas si je ferai une vidéo où je patrouille en ville. Je sais pas, j'aime pas trop. En ville, il y a vraiment plein de missions, hein. Mais le truc, c'est que, je sais pas, j'aime bien la campagne, j'aime bien l'ambiance campagne, tu vois. Attends, c'est où que je dois... C'est où que je dois mettre le suspect? C'est là, non? Ouais, ici, normalement. Non? Par là? Ouais, c'est là. Ok, donc là, je peux choisir soit de le mettre moi-même en jail, soit de le donner à des officiers. Bah, je vais le mettre moi-même, tant qu'à faire, comme ça, je vous montre. Donc là, le mec, il est là. C'est pas la prison encore, c'est juste le comico le temps qu'il soit... Enfin, vous connaissez de toute façon. Voilà, tu vas aller là. Puis t'as des belles chiottes. Voilà, parfait. Bon bah, bonne journée, hein, du coup. Pas plus. Enfin, voilà. Après, je pense que je ferai d'autres vidéos, tu vois. Je veux rien promettre, parce que comme d'hab, après, je dis un truc, je le fais pas. Mais, ouais, ce serait cool de pouvoir faire plus de vidéos. En plus, il y a vraiment le choix. Je peux par exemple prendre le contrôle d'une unité motorisée. En plus, j'ai le skin. Attendez, je vous montre juste le skin que j'avais fait. Unité motorisée LSSD, attention. Wardrobe LSSD moto. Stylé, non? Après, vous avez aussi. Mais vous avez vraiment plein de trucs, hein. Il y a des packs déjà faits. Donc, il y a LSPD, il y a News, il y a FBI, il y a LSSD. Je vais vous montrer celui du LSPD. Bon, il y a ce basique. Et je précise que la tête, c'est moi qui l'ai fait aussi. C'est avec ce mode. Vous pouvez personnaliser votre tête comme ça, vous ne vous retrouvez pas avec les mêmes skins que vos collègues. Voilà, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Et vous pouvez ajouter des accessoires vous-même. Tu vois, là, c'est les packs déjà faits. Mais vous pouvez, en plus de ça, regardez ça, c'est stylé ou pas? Unité bicycle. Stylé de ouf. Pilote, SWAT, émeute, LSSD, il y a ça. Canine. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs. FIB. Vraiment stylé de ouf, hein. Ah, vu que celui-là, il... Attends. Celui-là, ça le fait trop. C'est trop les mecs dans les films, ça. Avec le petit badge en bas et tout. Regardez quand il dégaine. Ça rigole plus. Ah, mais il a pas de holster. Enfin voilà. Bon. Bah, c'est tout pour cette vidéo, hein. Dites-moi si. Vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît. Je continue, comme d'hab. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Sans rancune. Bon, allez, à plus.